de police principale, Amal Barqiya, responsable de la revue de police. La Direction générale de la Sûreté nationale organise pour la troisième fois consécutive une nouvelle édition de cette journée portes ouvertes à la place Malabata à Tanger du 2 au 6 octobre 2019 sous le thème « Servir le citoyen, honneur et responsabilité ». Il s'agit d'un rendez-vous annuel pour interagir avec le public, lui faire découvrir les métiers de police et éventuellement sonder ses besoins en matière de sécurité, le sensibiliser par rapport à des choses qui peuvent le mettre en danger pour qu'il puisse s'en prémunir. Aujourd'hui, on est sur un espace qui s'étale sur 2 500 m² avec 9 000 m² dédiés uniquement au stand d'information sur les différents métiers de police qui sont tous représentés ici et qui sont là pour parler aux citoyens, lui expliquer ce qu'ils font, les moyens dont ils disposent. Mais c'est aussi une occasion pour expliquer aux citoyens tous les efforts déployés par la Direction générale de la Sûreté nationale pour moderniser donc ces moyens, ces outils et ces modes d'action pour préserver l'ordre public et assurer une vie sûre et sécurisée aux citoyens, aux visiteurs et aux résidents étrangers ici au Maroc. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une application sur mobile, d'ailleurs qui se trouve derrière moi. Et donc c'est une application, c'est un outil à travers lequel le public peut prendre connaissance de toutes les activités programmées durant ces 5 jours qui sont très diverses et très variées. Des stands d'information, comme je l'ai déjà dit, sur des métiers de police, des démonstrations professionnelles des différentes entités policières, des conférences thématiques sur des sujets d'intérêt pour le public à travers lesquels ils peuvent poser leurs questions au cadre de la DGSN et autres experts de renom au niveau national. Vous avez également un espace ludique pour les enfants, donc en même temps ludique mais aussi pédagogique, ainsi que des ateliers de sensibilisation sur les dangers de la drogue, sur les dangers d'Internet, sur la sécurité routière. Et là, on vise le jeune public, la génération montante, pour leur permettre donc de se prémunir des dangers qui peuvent les guetter. Donc à travers cette application, vous pouvez la télécharger en scannant le code barre qui se trouve aussi bien sur le programme que sur le background derrière moi. Donc vous pouvez la télécharger et donc vous allez prendre connaissance de tout ce qui se passe ici comme si vous y étiez. Également, il y aura des notifications à chaque fois quand il y a une activité programmée. Une autre action au-delà donc de ces nouveautés technologiques qu'on présente ici, il y a aussi une action solidaire et humanitaire que la DGCN a voulu mettre en place, c'est l'installation d'un stand qui est dédié aux dons de sang. Donc aujourd'hui, une goutte de sang égale une vie. Et donc la DGSN, en collaboration avec le Centre de transfusion régional de transfusion ministère de la Santé, a mis en place une campagne de collecte de sang au niveau régional pour augmenter donc les stocks ou les réserves de sang au niveau de la région. Donc je vous invite tous à venir contribuer à cette action humaine mais aussi solidaire. L'autre nouveauté que je peux vous dire aussi, c'est aujourd'hui aussi, à travers cette édition, on veut valoriser et mettre donc en valeur le fonctionnaire de police, parce qu'au-delà d'être un policier, c'est aussi donc des artistes, ils ont beaucoup de talent, et à travers cette initiative, nous avions voulu donc mettre en valeur les talents des policiers dans le domaine de l'art, dans le domaine du roman policier, dans le domaine de la poésie. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage à Femilo Dehemdouchi qui supervisait lui en personne donc la commission de lecture et de sélection, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Je vous remercie.